Yo tout le monde, c'est Max Max. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on va faire une petite combinaison de jeux avec trois jeux dont Basketball Physique, Fury Road, je crois que ça s'appelle comme ça, et le dernier, je ne sais plus comment il s'appelle. De toute façon vous allez voir, je vous le dirai après. Allez, à tout de suite, on commence pour le premier jeu. Et on commence avec Basketball Physique 2D. Donc c'est un jeu vraiment stylé. Je l'ai déjà testé, donc vous avez un peu la musique en fond. Donc, je l'ai testé pour voir à quoi il ressemblait. Il est vraiment stylé. Voilà, donc je pense que vous avez compris, il faut tirer dans la balle pour qu'elle atterrisse dans le panier. C'est aussi simple que ça. Donc c'est parti. Voilà, 1-0. Donc les parties, c'est en 5 points. Donc j'espère qu'on va gagner hein, pour la première fois sur la chaîne. C'est assez dur, enfin c'est pas comme s'il y avait un niveau. Après il y a des modes tournement etc. Donc vous me direz en commentaire si vous voulez une petite série sur les jeux que je vous propose. Hop là, bon, le début le début c'est assez facile. Comme ça là vous avez juste à sauter et il shoot. Mais après c'est là, voilà, c'est là que ça devient un peu difficile. Après il faut vraiment avoir beaucoup de chance. Voilà, comme je disais, beaucoup de chance. Donc là, il y a 3-1. Donc 105, ça va être dur. Ça va être dur quand même. Même si on gagne 3-1, c'est jamais facile. Ça, c'est un petit trampoline qui fait sauter la balle vers le panier adverse. Donc ça, c'est plutôt cool pour la mettre en jeu. Bon, après, ça la met pas directement dans le panier, sinon ce serait un peu cheaté. C'est un peu chaud là. C'est un peu n'importe quoi. Il saute un peu dans tous les sens. Donc en fait, quand on appuie sur le carré rouge, bah ça fait sauter les deux joueurs. On contrôle les deux joueurs en même temps. Donc c'est pour ça que c'est dur. On va attendre qu'il y ait des... Oh non. Oh, c'est abusé. Donc voilà, je pense que vous avez compris le jeu. Donc on va faire qu'une partie, attendez, juste 2 secondes, je déplace, voilà, le petit truc de Mobizen pour voir combien de temps de vidéo on est. Donc ça va faire une petite vidéo de 10 minutes, pourquoi pas. Donc là on vient de se faire égaliser à 3-3. Donc c'est assez dur. Allez, avancez. Il va pas avancer. Voilà. Bon, par contre, il y a juste les bruits quand tu sautes, ils sont un peu chiants. Bon, c'est sûr qu'à 2 c'est sûrement plus sympa. Ah mince. Aïe aïe. Oh, c'est bon, il la dégage. Donc il faut attendre là. Qu'elle vienne vers nous. Voilà, là on peut. Oh, on est trop près. C'est sûr que c'est dur de marquer de près. Si vous avez des petits jeux comme ça, assez fun, vous pouvez me les dire en commentaire. Pour qu'on les teste. Ok, donc là, il y en a... Ok, on est tous bloqués. D'accord, donc là, on est un peu... On est tous bloqués. Ah, c'est bon. Moi, je me suis débloqué. Après, il y en a les trois autres, ils sont tous bloqués. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Ah oui, si vous avez des applications de montage, je prends parce que je voudrais bien mettre des musiques, etc. Là, je viens d'en tester enfin, je viens de tester un truc de montage. Sauf qu'on pouvait mettre des bonnes musiques et tout, sauf que, bah... On pouvait pas régler le son, donc du coup on n'entendait pas ma voix. Ah, ça dure un peu. C'est un peu long. C'est un peu long. En plus, ils sont tous bloqués. Ah, voilà, c'est bon. Ouais, mes deux joueurs ils sont débloqués. Et les deux autres sont bloqués, donc c'est cool. Ah, le bleu à gauche, il a peut-être débloqué. Et panier. Donc, 4-3. Donc, plus que 1 point et on gagne.
Et après, on va changer de jeu. Voilà, 5-3. Donc on a le 5-3, c'est assez compliqué, surtout le quatrième, c'était assez compliqué, donc il y a des petites pubs, mais bon. Voilà, donc on va pas rejouer, donc je vais vous montrer le menu, donc voilà, deux joueurs, et il y a un mode tournoi, donc si vous voulez qu'on en fasse, et bah, je vais en faire. Et bien là, à tout de suite les gens pour le deuxième jeu. Pour le deuxième jeu, comme vous pouvez le voir, Talk Table. Donc c'est parti, donc le but du jeu, c'est d'amener son adversaire dans notre partie. Moi je suis bleu. Il faut amener Harry, son adversaire, voilà. Donc là il m'a emmené. Donc il marque un point. Oups. Désolé. Petit bug, voilà. Il faut vraiment l'emmener dans notre partie de terrain. Et si on l'emmène dans notre partie de terrain, et bah on gagne un point. Aïe. Donc ça c'est assez dur. Il faut vraiment avoir pas mal de chance. Aïe, aïe, aïe. Et il gagne du terrain. Oui. Ouh, c'est bien joué. C'est très bien joué. J'ai eu de la chance. Oups. Vous avez une petite pub. Voilà, donc on revient au jeu. Là, il y a 3-1, donc c'est le premier à 5. Comme au jeu d'avant. Voilà, 4 points. Donc là, ça va. Pour l'instant, c'est assez facile. Avant, je galérais plus. Voilà, on a gagné. 5 à 1. Donc je pense qu'on peut faire une deuxième partie parce que c'est assez rapide. Enfin, faudrait pas que celle-là dure trop longtemps non plus. En fait, il faut éviter de sauter haut parce que après, si lui il pousse, bah, c'est fini. Ah, dommage. Petite pub. Bon, il y a beaucoup de pubs dans ces petits jeux. Et bon, c'est pas grave. Voilà. Deux à un. Ouais, mon perso, il fait des trucs chelous. Voilà. 3-1. Donc là, ça va, plus de 2 points. Et on gagne, et on change de jeu. Voilà. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment facile. Je pensais pas que ça allait être aussi facile que ça, parce que avant l'enregistrement, j'ai fait une partie pour vraiment tester tout un peu tous les jeux. Ah. Pour tester un peu tous les jeux. Et c'était très serré. Donc là, c'était assez facile. Bon, même si là, il remarque un point. Allez, il faudrait pas se faire remonter là, parce que sinon, ça va être compliqué après. Oui, c'est bon. Oula. Allez. Oui. Non. Non. Ah. Eh, c'est dur, hein. C'est vraiment bien. On a déjà un peu tous les bruits en fond. C'est vraiment dur. Aïe, et voilà. J'ai perdu. 5 à 1, alors que je gagnais 4 à 1. Bon. C'est pas grave. Donc là, on va changer de jeu. Donc là, il y a plusieurs scènes. Mais bon. Voilà, faut gagner 25 fois, comme vous pouvez le voir là. Bon. On s'est parti pour le troisième jeu et le dernier. Le dernier jeu, c'est Fury Road, donc un jeu de Yudo One. Donc le but du jeu, c'est d'amener un petit personnage le plus loin possible. De toute façon, vous allez voir le jeu, après vous allez le prendre. Ah, donc lui, il va nous parler. Voilà. Vous allez voir. Il y a une voiture, il y a un chemin. Par contre, le jeu prend un peu de temps à se lancer. Voilà, faut sauter. Hop. Voilà, ça c'est un petit didacticiel. Ok, go. Faut attendre. Voilà, et là, il faut aller le plus loin possible. Donc là, faut avoir des bons réflexes. Oh. Oh non, j'étais stressée par le train qui passait. Allez.
On fait une partie. Non, le train, ils ont pas le temps, eux. Ils sont super rapides. On passe. Ah, dommage, je me suis fait écraser. Ah, là, ça a changé. Là, ça s'est mis en... entre le téléphone. Avant, c'était à l'horizontale. Maintenant, c'est à la verticale. Bon, je trouve que c'est un peu mieux à la verticale. Donc, là, il y a des troncs. Ouh, et j'ai vraiment beaucoup, eu beaucoup de chance. Ah, je me suis lancé trop tard. Alors, on va essayer de battre 46. Bon. On est à 25. Oh, je pensais même pas que j'allais passer à cause de la voiture verte. Ok, c'est très rapide. Oh, le train. C'est un truc de ouf comment ils vont vite. En fait, c'est vraiment un jeu de réflexe. On va voir parce qu'en bas à gauche, voilà, c'est pour changer de personnage. Poulet du Brésil. Est-ce qu'on a d'autres qu'on a débloqués? Un Pac-Man. Tu vois, on sait qu'on va prendre le Pac-Man. Oh, énorme! Oh, c'est trop énorme! Il y a eu pas mal de mises à jour parce que moi quand j'avais déjà joué avant, j'ai il n'y avait pas ça. Là, c'est vraiment stylé. En plus avec la petite musique de Pac-Man. Par contre, j'ai l'impression que c'est plus dur. On passe. Oula. On passe. Ça passe. Oh là là. Oh non, ça nous a emmené dans le courant. On va voir avec un dernier personnage après avoir arrêté cette vidéo. Car ça fait déjà 12 minutes qu'on enregistre. Que le temps passe vite. Le compteur. Mais on l'a pas débloqué. Je crois qu'on l'avait débloqué. Allez, le pack chicken. Ah bah c'est le même. Donc on va changer. Changer un peu de décor, on va faire le chicken de... Voilà, le poulet du Brésil. On va voir ce que c'est. Ah, on change un peu de... Ouf! Non! Oh, ça nous a bloqué. Ah, par contre, lui, j'ai l'impression que c'est plus dur parce qu'il y a pas mal d'armes. Waouh! Il y a tellement de trucs. Alors, on fait une dernière partie, on essaie de faire son maximum. On va quand même essayer de battre le record qui est de 18, je crois. Ouf, et c'est passé. En fait, il faut vraiment prendre son temps. Pas se précipiter, comme je le fais, voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et mettre un petit commentaire pour savoir si je refais des vidéos sur les jeux que je vous ai proposés. Et puis voilà, ciao ciao!